Allez, bonsoir. J'espère que vous allez bien tous. On va se faire du speedrun là, j'ai envie. Ouais, je sais, c'est un live un peu improvisé. Lundi, c'est rare. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de retenter le coup parce que ça m'énerve d'être parti sur, pas une défaite, mais sur une mauvaise impression la dernière fois. Puisque j'arrivais pas à speedrunner, puisque le jeu faisait que deux saccadés. Donc, on va voir si c'est mieux aujourd'hui. Je vais essayer d'optimiser le maximum mes réglages. Alors attends, déjà dans un premier temps, il faut que je règle les volumes. Parce que à chaque fois qu'on change de jeu, il faut régler le volume en conséquence. Alors, audio du bureau, moins 20 décibels, je crois que c'est bon. On va enlever l'affichage. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la manette. Ça, j'enlève. J'enlève, ça fait trop de. Ça demande trop de ressources. On va également enlever le chat. Bim. Qu'est-ce qu'on pourrait enlever? Peut-être l'image du GSH, pourquoi pas. Alors, je vais juste regarder live split si ça marche, le chrono. Ok, ça s'affiche, c'est très bien. Et par contre, ouais, voilà, j'ai envie de faire la catégorie any%, c'est-à-dire pas la catégorie 100%. C'est-à-dire que là, je vais avoir le droit de zapper des courses. Alors, je vais prendre mon record, mon dernier record personnel. Voilà, celui-là qui est de 18,44. Pas mal. Ok. On va tester, voir si ça fonctionne. Ça a l'air de fonctionner. Très bien. Très 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 bien, c'est déjà bon signe. Haut-parleur à 20%, c'est bon. On va juste couper peut-être la musique de fond de Cool Borders. Bim, ça je vais le monter histoire d'avoir de la place sur ma fenêtre. Je vais enlever l'aperçu d'OBS pour que ça demande moins de ressources au PC. Et puis bah c'est parti, bah let's go, c'est parti pour lancer le jeu. Alors, Cool Borders 2, ça tombe bien, on est dessus, c'est impeccable. On va mettre ça comme ça. On va tester, voir si la manette ça marche. Et normalement, tout devrait fonctionner. Allez, j'espère que ça va marcher. Je sais qu'il fait très très chaud aujourd'hui. J'ai le ventilo qui tourne, qui souffle sur le PC, mais bon, ça souffle de l'air chaud. On verra bien ce que ça donne. Si je vois que c'est peine perdue et que ça fait surchauffer le PC, que ça saccade toutes les 2 secondes et demie, bah tant pis. On abandonnera l'idée de faire du speedrun. Ah oui, il n'y a pas le Cool Borders, c'est normal puisque j'avais complètement coupé le son, au moins les voix et les musiques. Est-ce qu'on s'entraîne ou est-ce qu'on s'entraîne pas pour. Non, allez, on va démarrer direct, tu sais quoi. On n'est pas là pour perdre du temps. On va démarrer direct. Voilà. Alors, on va évidemment choisir la planche la plus rapide, comme d'habitude. Et le chrono démarre dès que j'appuie sur le bouton Start. Attention, 3, 2, 1, go, c'est reparti. En tout cas, là, ça marche, donc tant mieux. Voilà. Parfait. Ok, bah c'est raté pour le premier saut, c'est pas grave. C'est pas grave. On va réussir le deuxième. En tout cas, on va tout faire pour. Ok, c'est bon, c'est réussi. Est-ce que ça m'a propulsé premier? Non, je pense pas. Je démarre troisième. Je démarre troisième la première course. Alors, je rappelle qu'on est en catégorie any%. Ça veut dire que j'ai le droit de cutter des courses pour aller plus vite. Je suis pas obligé de passer la ligne d'arrivée des 9 courses. Allez, je vais essayer de me concentrer un maximum. Alors ça fait très bizarre puisqu'il n'y a aucun son, il y a juste le son de la neige, de la glissade.
Mais c'est normal, j'ai fait exprès de couper les musiques et le son du commentateur parce que, à mon avis, ça faisait bugger légèrement le jeu. Et on va essayer de d'optimiser au maximum la puissance pour faire en sorte de ne pas avoir de lag. Puisqu'évidemment, si j'ai des lags, et bah ça ralentit le jeu et ça ralentit également le chrono. Ok, je suis premier. Ça se passe plutôt bien. Toujours du mal avec ce putain de virage. Oh là là, j'ai beaucoup trop tourné là. En tout cas, j'espère que ça vous a plu la dernière fois. Quand on a fait le jeu des Jeux Olympiques, c'était assez sympa. Moi, j'ai passé un bon moment en tout cas. Ah, je vois qu'il y a un petit peu de ralenti quand même. Mais ça devrait le faire. Ok. Et eh ben j'ai pas finalement j'ai pas trop de ralenti tant que ça puisque je suis à 0,4 secondes de retard. Donc j'ai fait une course normale finalement. Tant mieux. Ça a l'air de bien fonctionner. Je sais que je peux gagner du temps en tout cas sur la troisième course, celle des sapins comme d'habitude, puisque j'avais perdu du temps. Ouh, j'ai fait un saut parfait. Je devrais être premier, voilà. Parfait, j'ai fait deux fois la même chose. Ça me permet d'être premier et je démarre premier à la deuxième course. Bon, bah ça se déroule plutôt bien. Alors, les courses que je vais zapper, en gros. Ce sera la 6, la 7 et la 9, la dernière. Voilà, sur les 9 courses. Ouh, j'ai vraiment bien pris le virage là. Je sens bien cette run. Non, 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 oh là là, n'importe quoi, pour un petit centimètre, je me tape la paroi, bah là j'ai vraiment fait de la merde. Trop dommage, j'étais bien parti. Là, c'est pareil, j'ai vraiment du mal à le prendre, à bien optimiser ce virage, ce grand virage là, je sais jamais comment le prendre pour aller le plus vite possible. Alors, faut que je me concentre un maximum. Là, j'ai ralenti un petit peu. Ah merde, putain, mais pourquoi je suis à l'arrêt là? C'est pas vrai. Quoique, je suis peut-être en avance sur mon PB, ça va faire plaisir. Oh, je suis en vert. J'ai 1 seconde 6 d'avance. Ça fait plaisir, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Pourvu que ça dure. Alors je rappelle que pour faire troisième mondial, pour rentrer dans le top 3, il faut que je fasse moins de 18,40. Donc j'ai 4 secondes en fait à gagner. Ok, j'ai fait un saut parfait, c'est cool. Ça fait plaisir. En tout cas pour l'instant ça saccade pas du tout le jeu. Tout a l'air de bien se passer. Ouh, deux sauts parfaits. Bon, à force, hein, on a l'habitude, on n'est même plus impressionné par ça, mais ça fait plaisir quand même.
de démarrer premier sur la troisième course, celle qui me pose le plus de problèmes, c'est vraiment celle-là, la course des sapins, parce que c'est de loin la plus difficile. Celle où en tout cas je dois faire le maximum attention. Celle où je dois me concentrer. Oh là là, je démarre direct en touchant un sapin, ça va pas du tout. Je dois vraiment faire preuve de vigilance tout le long de ce circuit. Allez, je vais essayer de bien me concentrer. Ah, j'ai fait de la merde. J'ai mal pris mon virage. Je suis tombé dans le ravin. Donc déjà, là, c'est une grosse perte de temps. Donc, tout le temps que j'avais d'avance, les 1 seconde 6, je pense que c'est mort, du coup. Ouais, bah là, c'est complètement mort. Je déteste cette course. Vraiment, j'arrive pas à m'y habituer. Plus je la fais, plus je la trouve difficile. Il n'y a pas une trajectoire bien précise à prendre pour pas se taper un seul sapin. Pourtant, hein, les sapins ne bougent pas, ils sont toujours au même endroit. Donc, faudrait juste que je m'entraîne dessus, je sais pas. Allez, j'ai pris des bonnes trajectoires. Ok. Et ça devrait être fini. Et je vais quand même être en avance. Bah, ça fait plaisir. Ok. Ah, j'ai fait un gold. C'est-à-dire que j'ai fait le meilleur temps sur cette course, même en faisant de la merde. Bon, bah, c'est bon signe. Allez, on va continuer comme ça. On est bien parti. Finalement, j'ai quand même gagné du temps, même en faisant de la merde et en me tapant des sapins. Donc, j'étais vraiment mauvais sur mon record précédent. Allez, ça devrait le faire. Je fais toujours la même chose, donc je prends aucun risque. On a passé le plus difficile et on est en avance sur le temps. Donc ça devrait aller. Bah, ça se passe plutôt bien, franchement. Allez, quatrième course. Donc on fait les 5 premières. On zappe la sixième et la septième, on fait la huitième et on zappe la neuvième et ce sera terminé. L'impression que je prends vraiment des bonnes trajectoires. En plus, là, j'ai vraiment de la chance que ça ne saccade pas. Ah, j'ai loupé la barrière, tant pis. Je ferai pas le slide sur la barrière, donc je vais perdre un petit peu de temps, je pense, ici. Tant pis. Je l'ai loupé. Pas évident de l'avoir au dernier moment. J'aurais voulu faire un saut là, mais j'ai pas réussi. Ouh là là, j'ai pris mon virage un peu trop serré, ça m'a ralenti. Allez, on y croit. On y croit. La victoire est vraiment à portée de main. C'est tout à fait faisable, hein, franchement. Je sais pertinemment que si je me tape aucun sapin dans la troisième course. Bon là c'est trop tard, mais je peux avoir au moins une dizaine de secondes d'avance. Là je fais exprès de pas sauter sur ces falaises là. Ok, j'ai refait un gold. Eh bah putain, j'ai 4 secondes d'avance par rapport à mon PB. Personal best. Mon record personnel. Eh bah ça se déroule très très bien. Allez, cinquième course. Eh ouais, mais c'est ça le truc. Quand il n'y a pas de saccade, ça va tout de suite mieux.
Ouh là là, j'ai eu de la chance là. J'ai eu un bon réflexe. Ok. Allez, c'est passé. J'ai réussi mes deux sauts. Je suis premier. La cinquième course, c'est la plus courte du jeu. Ça devrait le faire. Elle fait moins d'une minute, celle-ci. 48 secondes. Allez, je suis concentré un maximum, je vais essayer de pas trop parler. Oh putain, ouais, mais ce couloir est vraiment horrible. Il est super compliqué à prendre. Parce qu'en plus, il est juste à l'entrée d'un saut, donc tu peux pas vraiment gérer où tu atterris. Allez, je vais prendre le raccourci ici. Voilà, ça j'ai réussi, c'est pas mal. Ok. Merde. Je me tape la paroi. Ah là là, là je suis en retard. Ouais, j'ai perdu du temps. J'ai perdu toute mon avance. Mes 4 secondes d'avance que j'avais. Je les ai perdues. Putain, c'est vraiment dommage. Tout ça parce que je me suis tapé la paroi dans le petit couloir étroit là avec le saut. Vraiment trop compliqué celui-là. Alors ici on va même pas chercher à faire quoi que ce soit. Hop, on zappe directement le saut. C'est fait exprès. De toute façon, la course suivante, on la fait pas. Je vais essayer de gagner du temps là sur ce big air. Oula. J'ai cru que j'allais me taper la paroi. Allez, là ça va être assez rapide. J'ai juste à zapper la course. À faire start et retire pour me retirer. Je pense que je vais même pas gagner du temps là. Ok. Bah j'ai perdu du temps. Une seconde. Alors la septième course, ça va être exactement la même chose. On va la zapper. Alors, je sais pas ce qui est le plus rapide, de faire le saut ou de ne pas le faire, je ne sais pas du tout là. On va le faire quand même. Merde. J'ai pris le virage un peu trop vite. Et ouais, putain, je suis vraiment trop con. J'ai préparé mon saut trop en avance. Ah, c'est vraiment dommage, hein. C'est vraiment dommage parce que j'étais en avance. Et me voilà en retard. Oh là là, 3 secondes. 3 secondes de retard, je ne rattraperai jamais ça. C'est pas possible. Meilleur temps que je puisse faire, c'est 18:46. Donc je suis déjà en retard par rapport à mon record personnel. À moins que j'ai fait de la merde sur cette course que je me rappelle plus. Mais à mon avis, c'est irrattrapable. Ouh là là, c'est raté ça. J'ai sauté beaucoup trop tôt. J'ai sauté trop tôt et il y a eu du ralenti. C'est vraiment dommage. Allez, là c'est réussi. Est-ce que ça va me propulser premier ou pas? Non, troisième.
On va peut-être garder ce chrono là, je pense. Putain, je fais toujours la même chose. Je fonce tout le temps sur ce putain d'arbre à la 8e course. C'est incroyable de faire toujours les mêmes erreurs. C'est pas possible. Je le sais en plus. Je le sais vraiment, mais. Mais non, faut que je fasse toujours les mêmes conneries. D'un run à l'autre, c'est incroyable. Ça sert pas à grand chose de faire des figures, ça fait plus ralentir qu'autre chose. Et là, je me tape la paroi. Ah, pourtant, c'est vraiment pas la course la plus compliquée, la huitième. Ok, j'ai bien réussi ça. Donc, c'est cool. Mais je prends des virages de merde, c'est pas possible quoi. Ah, je suis à 5 secondes de retard, c'est pas possible. C'est terminé, les gars. C'est mort. Oh là 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 là. Ok, bah ça c'est complètement raté. Ah, salut Elixir, je t'avais même pas vu dans le chat. J'espère que tu vas bien. Ça fait longtemps que t'as laissé pousser la barbe. J'ai laissé pousser la barbe et j'ai rasé mes cheveux. Ouais, y a personne, de toute façon, j'avais pas forcément prévenu. C'était un live un peu improvisé. Mais voilà, je suis déjà en retard, je devrais avoir fini. Je devrais avoir fini. Et bien sûr, ça rigole. Ah, ça rigole, hein. 8 secondes de retard. Putain. Ah, c'est dur, mais c'est tellement dur. C'est pour ça la casquette, les cheveux coupés. Ouais, exactement. Et merci à celui qui s'est abonné, je sais pas, j'ai pas le retour sous mes yeux, donc merci pour l'abonnement. Merci beaucoup. Bon, bah c'est raté, malheureusement, j'étais en avance. Oh, putain, c'est dommage parce que regarde, si on va sur live split, j'étais en avance au départ, tu vois. J'avais 5, 4 secondes 2 d'avance sur la quatrième course. Et après, bah c'est la dégringolade. C'est raté. Je vais remettre à zéro le chrono. Est-ce que je veux optimiser? Oh bah. Ouais, c'est pas mal du tout. Best possible time 18:34. Et bah, ça veut dire que je peux avoir 10 secondes d'avance si je fais tout parfaitement. Mais bon, mon record c'est 18:44. Allez, on va se refaire une run, hein, tant pis. Il y a un truc aussi qui est compliqué, c'est avec la manette, dès que je me retire des courses, donc je fais start, bas, A, et là ça annule la course, si tu veux, mais je suis obligé d'appuyer sur le bouton pour déclencher le chrono en même temps, et je peux pas être sur la manette et sur le clavier en même temps. Donc c'est assez compliqué. Mais c'est pas grave, c'est juste de l'ordre de même pas une seconde. Pas de café, PC va bien, ça va, ça va. Il surchauffe un peu là, vu qu'il fait très chaud. Il fait, je sais pas, 34 dehors. Même dans l'appart, il fait chaud, franchement. Même là, en t-shirt, je te dis, j'ai chaud. Mais ça a l'air d'aller, écoute. On va faire comme ça. Allez, on va recommencer. Ah, j'ai vu que je pouvais vraiment gagner du temps sur les premières courses.
Non, mais mon record, il est tellement améliorable, mais il faut juste que je fasse des courses parfaites. Et être parfait sur 9 courses d'affilée, bah, c'est compliqué quand même. Allez, on y retourne. J'espère que vous êtes prêts, les copains. En tout cas, Elixir, ça me fait plaisir de te voir dans le chat, ça fait longtemps. Et c'est parti. 3, 2, 1, go. Il faut jouer à Mario Sunshine, ça va te rafraîchir. Je pourrais pas, malheureusement, émuler de la GameCube sur le PC, c'est compliqué. Il tourne au ralenti, le pauvre Mario Sunshine. Alors, j'avais affiché la manette à l'écran pour voir, pour que vous puissiez voir ce que je fais en temps réel, mais malheureusement, dès que je fais ça, ça fait ralentir le jeu, donc forcément, je perds du temps avec le chrono. Donc, je l'ai enlevé. J'ai enlevé la manette affichée à l'écran. Quoique je pourrais réessayer de l'afficher pour voir ce que ça donne, mais à mon avis, plus il y a de choses affichées à l'écran et plus ça demande des ressources, et plus le jeu il va ralentir. Et si le jeu il tourne au ralenti, mon chrono il est pas valide. C'est pas possible de jouer comme ça. J'ai également coupé la musique du jeu, coupé les commentaires pour que ça demande le moins de ressources possible, évidemment. Et tout simplement pour gagner du temps et que j'ai pas de lag. Je vais sur la Switch Mario Sunshine. Attends, je passe juste ce virage parce qu'il est compliqué. Avec la compilation des 3D All-Star. Ouais, on l'a aussi avec mon frangin celui-là. On l'a aussi cette compile. Très bizarre d'ailleurs sur la manette Switch pour Mario Sunshine. C'est compliqué à jouer, je trouve. Oh là là, j'ai fait n'importe quoi. Oh. Non, mais démarrer comme ça, c'est pas possible. Ouah, je peux pas continuer une course où dès la première course, tu fais de la merde. Non, mais je me suis tapé le mur là. Par contre, le 4 tiers sur Mario 64, c'est honteux. Ah, j'ai déjà 2 secondes de retard. Bon, je vais quand même essayer, mais bah, après, c'est le format d'origine, hein, le 4 tiers. Parce que sur la 64, c'était ça. Donc, moi, ça me choque pas vraiment, mais je pense qu'il y a peut-être moyen de le. Non, il n'y a peut-être pas moyen dans les réglages de mettre en 16 neuvième. Ouais, on peut pas pour le 16/9e. Bah après, moi j'ai l'émulateur de Nintendo 64 là sur le PC. Pareil, c'est en 4 tiers. Hein. Mais c'est pas dérangeant. Faut s'y habituer quoi. Merde, j'ai pas sauté. Dommage. Aïe aïe aïe, j'ai fait de la merde. Ça va, ça m'a pas trop dévié de ma trajectoire. Dommage qu'ils n'ont pas fait un remaster comme la version DS. Et ouais, je l'ai celle-là aussi. Je l'ai, la version DS. C'était un banger. Ouais, avec 30 étoiles en plus, des personnages jouables en plus. Je l'ai, j'ai vraiment apprécié. Oh, je crois que j'ai bien pris mon virage là. Je vais grave gagner du temps sur cette course. On va essayer de pas trop bouger histoire de garder la vitesse au maximum.
pendant la descente. Ouais, là tu vois, j'ai perdu du temps encore. Ces derniers virages sur cette course, ils sont vraiment trop casse-couilles. Par contre, je suis en train de voir que j'ai grave de l'avance et tant mieux. Attention. Oh, c'est un gold! Meilleur temps possible que j'ai jamais fait et j'ai presque 5 secondes d'avance. Même en ayant fait de la merde sur la première course. Ah ouais, mais c'est carrément améliorable. C'est vraiment améliorable. Ouh, j'ai failli rater la réception là. J'ai un peu trop tourné. J'étais pas bien droit. Mais heureusement, c'est passé quand même. Là, j'étais super droit. Ok, je suis premier. Et je démarre la troisième course, celle des sapins. Ah, ça fait plaisir d'être en avance là, ça fait longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas été en avance sur mon chrono. Ah, je suis content finalement parce que ça veut dire que je peux quand même faire du speedrun en live, même si j'ai pas la configuration que je voudrais à la base. Vas-y, putain, mais je suis allé en plein dessus quoi. Bon, je vais arrêter de parler là parce que je vais essayer de me concentrer. Ah là, je l'ai mieux pris que tout à l'heure le virage puisque je suis tombé dans le ravin là sur la gauche tout à l'heure. Mais bon, vu que je me suis tapé un sapin, j'ai dû perdre du temps encore. Oh non! Oh là là, c'est pas vrai, mais c'est pas vrai. C'est vraiment la course de l'enfer celle-ci. Putain. Partout où tu vas, t'as des sapins. C'est impossible. Il n'y a pas une trajectoire où il n'y en a pas. C'est impossible d'optimiser un chemin ou de le connaître par cœur. Trop dur. Bon, allez, si je reste comme ça jusqu'à la fin de la course, ça serait bien. Je vais essayer d'aller bien droit. Ok. Pas mal du tout. J'essaye de voir loin. Ok, c'est bon. C'est passé. Ouh, c'est un gold. Je suis encore en avance. Super. Je suis presque à 8 secondes d'avance. Ça se déroule bien. On va essayer de garder cette avance jusqu'à la fin. Et ça va pas être facile. Tout à l'heure, j'ai fait une connerie sur la cinquième course. Ok. Ok, on est premier, on démarre la quatrième course et on est toujours en avance pour l'instant. C'est vraiment pas mal. Ça me réconcilie avec le speedrun, je suis très content. Je réessayerai sur la prochaine run d'afficher à l'écran la manette pour voir si ça change beaucoup, si ça saccade ou pas. Le nouveau jeu de speedrun de Nintendo. Non, ça me dit rien du tout. Attends, je vais essayer de me concentrer un petit peu. Cette fois-ci, je vais essayer de slider sur la barrière. Oh oui, j'ai réussi.
Impeccable. J'espère que ça m'a fait gagner du temps. J'en sais rien du tout. Je me suis tapé un peu la paroi, mais... Ah là, j'ai trop ralenti. Putain. C'est tellement dur de garder de la vitesse dans les virages. Parce que si tu freines trop, si tu tournes trop, bah ça te ralentit à mort. Est-ce qu'on va garder notre avance ou pas? Tu vois là par exemple j'ai trop tourné et je ralentis. J'ai pas des trajectoires bien optimisées. Ils ont fait un jeu en hommage au championnat du monde des jeux Nintendo de la NES. D'accord. Ok, je suis à 9 secondes d'avance. Putain, mais c'est génial. On s'en sort vraiment bien. La troisième place mondiale, si vous êtes pas là, les gars, c'est maintenant qu'il faut venir regarder parce que ça se joue maintenant. Je peux potentiellement la faire sur cette run. Parce que là... Je vous explique le topo, il faut que je fasse moins de 18-40 pour être dans le top 3 mondial. Et c'est largement faisable. Allez, cinquième course. Je suis là comme supporter, pas comme haters. Ah bah si t'étais un hater, ça aurait tout de suite dégagé. Oh là là, j'ai trop tourné dès le début. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est des petites pertes de temps. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut pas que je me plante. Que je me tape une paroi ou quelque chose comme ça. Là, c'est vraiment de la grosse perte de temps. Tu vois, et là, il y a un truc assez compliqué. C'est qu'on arrive dans un couloir super étroit avec un saut à l'entrée. Là, maintenant. Et voilà, je fais la même connerie que tout à l'heure. Je me tape exactement la même paroi sur la droite. C'est pas possible de passer ce truc correctement. Putain. Non mais là j'ai perdu au moins 5 secondes. Je vais perdre toute mon avance. Ok. Oh, oh là là, je suis allé en plein sur le sapin. Forcément j'ai pas sauté. Bon bah là, méga mauvais. Hein. Tu vois déjà le chrono, le compte à rebours qui descend. On a perdu combien? Ah putain, j'ai perdu 5 secondes juste sur cette course. Avec les petites erreurs. C'est infernal. Merde, j'ai reçu un message, j'ai même pas vu. Ouais, bah je le lirai à la fin de la run. Tant pis. Ok, c'est pas du tout ça que je voulais faire. Je sais pas, il y a eu comme un mur invisible. C'était trop bizarre. Alors ici, je fais exprès de zapper le Big Air. Parce qu'en fait, on s'en fout. Tout simplement. Mais c'est quoi ces conneries là? Ça fait comme un mur invisible. Voilà, puisque la prochaine course, je vais la zapper complètement. On la fait pas. Ni la suivante d'ailleurs. Allez, là, faut que j'aille vraiment vite. Ah putain, j'ai perdu du temps. Perdu du temps sur le Big Air, c'est bizarre quand même. 2 secondes. Ouais, non, mais la prochaine fois, je vais tout droit jusqu'au finish en fait. Ça va beaucoup plus vite, je pense. Je crois que là en fait je fais de la merde parce que j'ai pas à faire le saut, j'ai juste à faire ça, hop, descendre, et voilà, je peux zapper et ça va beaucoup plus vite que de faire un saut, c'est pour ça que je perds du temps.
Vu que cette course, je la zappe, je la fais pas. Je coupe la sixième et la septième. On en est à la septième. Ah ouais, mais même sur ça, je peux vraiment gagner du temps en fait. Eh oui, j'ai perdu 1 seconde 4. Oh, c'est ridicule. Bon, huitième course, celle-ci on l'a fait. Et par contre, la dernière, on la zappe. Donc là, je vais forcément faire le saut, histoire de démarrer premier la course. Ok. Parfait. Le saut était parfait. Allez, tout à l'heure j'ai fait de la merde ici, je me suis tapé le sapin en début de course. On va essayer de pas faire la même cette fois. Je crois que ce saut ne sert absolument à rien en début de course. Il ne fait pas gagner du temps. Vas-y, mais celui-là, il est impossible. Je me le prendrai tout le temps. Ça fait deux fois de suite que je le fais. Ça me rend dingue de faire toujours les mêmes erreurs, quoi. Bah voyons, bah oui, je prends toujours la même trajectoire, mais là, c'est pas passé. Bon, bah c'est de la merde, c'est de la merde. C'est déjà foutu, je pense. C'est pas la peine. Je pourrais pas gagner là. Oh là là. Faire ça à la dernière course quoi. Eh ouais, c'est mort. Putain, il ne tourne pas, il glisse. Ah, c'est dommage, hein, j'étais tout dans le vert, mais là c'est foutu. Vu le temps que j'ai perdu, c'est impossible. Je vais me retrouver dans le rouge à la fin de cette course. Du coup, bah, ça sera pas un record, les gars. Voilà, on est dans le rouge, c'est fini. Irrattrapable. Et voilà, tu fais une erreur, t'es foutu dans ce jeu de toute façon. Déjà 10 secondes de retard. C'est terrible comment tu peux vite perdre du temps. Ouais, ça sert même pas à grand chose d'aller au bout, mais bon, on va aller au bout quand même. Encore quelques petites améliorations à faire, je pense. Ah, c'est foutu. Putain, ça a même pas mis pause. Bah voilà, encore une run de terminée, mais avec 10 secondes de retard par rapport à mon record. C'est foutu. Oh, bah je pourrais être invité ce soir, ok, bah pourquoi pas. Pourquoi pas. Attends, vu que je suis en live. Je vais peut-être refaire encore une run. À quelle heure il m'a envoyé ça? Il y a 10 minutes, ok.
Allez, j'ai bien envie d'en refaire une quand même. On tente la dernière. Ah, attends. Tu sais quoi? Élixir, c'était toujours là. Ah, mais d'accord, on voit plus rien là. C'est quoi ce délire? Vas-y, la connexion. Je vais essayer d'afficher. C'est où? Affichage de la. De la manette, est-ce que ça marche? Ok, ça marche. Bon, là, vous avez une fenêtre infinie, c'est normal. On va enlever l'aperçu, voilà, on va remettre ça. Et ça devrait être bon. Merde, j'ai même pas réinitialisé mon chrono. Alors, attends. Tac. On va garder les meilleurs temps possibles. Putain, si je fais toutes les courses parfaitement, je peux faire 18-31. Ce qui améliorerait mon record quand même de 13 secondes. Si je fais tout parfaitement. Bon, c'est quasiment impossible de faire tout le temps parfaitement. Mais comme quoi, il est vraiment améliorable, mon record. C'est pas dur. Sachant que je fais à chaque fois, pendant la run, je fais de la merde. Donc c'est carrément améliorable. Allez, on s'en relance une. Ce sera peut-être la dernière parce qu'après, je vais. Du coup, je suis invité. Du coup, je vais partir. Donc, allez, on s'en fait une petite dernière. Ce sera la dernière de la journée. Et ça m'a bien fait plaisir de faire du speedrun parce que là, du coup, les conditions marchent bien. Ça tourne nickel. Là, par contre, normalement, vous voyez la manette affichée à l'écran. Alors, vous devriez voir ce que je fais avec les touches en temps réel. Donc ça c'est pas mal, mais ça risque de me faire ralentir le jeu. On verra. Si je vois que ça ralentit trop le jeu, je l'enlèverai. Attention, c'est parti. 3, 2, 1, go! Ah, c'est vraiment bizarre sans musique, tu sais, ça fait un peu vide l'ambiance, mais. Mais ça permet d'optimiser le jeu et de pas avoir de ralenti toutes les 3 secondes. Okay. Allez, là je suis lancé. Je suis lancé. Oh, que je suis lancé. Est-ce que ça marche bien l'affichage à l'écran? Je matraque la touche start évidemment pour aller plus vite dans les menus. Pour pas perdre de temps parce que ça compte hein, évidemment. Après, ça devient un réflexe, c'est tapis pour rien. Allez, je vais essayer de prendre vraiment des bonnes trajectoires. Et de pas trop faire de virages serrés comme ça, là, parce que ça te ralentit, mais d'une force. Voilà, faut que je fasse plus des virages comme ça, légers, pour garder ma vitesse au maximum, à 138 km/h là, 148. Alors, évidemment, si je vois que je vais droit dans le mur, je suis obligé de faire un virage serré avec carré. Ouh, là, je l'ai bien pris. Je l'ai bien pris celui-là. Il y a des moments, c'est inévitable. T'es obligé de faire des virages serrés et ça te ralentit beaucoup trop. Comme là, par exemple. Merde. Ah là 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 là, je me suis tapé la paroi. Ça m'a dévié de ma trajectoire. Très mauvais là. Très mauvais ce que j'ai fait en fin de course. Streamer français qui est très mauvais, mais il est quand même dans les temps. Il va passer la ligne d'arrivée en étant en avance sur son chrono, et ça fait plaisir. Ah, j'ai même fait un gold carrément, donc meilleur temps que j'ai jamais fait avec 2 secondes, 1 d'avance. Allez, franchement, c'est tellement faisable. 18-28, meilleur temps possible. Ça, c'est bon. Thank you.
J'espère que vous kiffez en tout cas de votre côté le speedrun. Après c'est juste, c'est vraiment de la mémoire musculaire quoi. Tu répètes toujours les mêmes gestes, toujours au même moment, et c'est juste de l'exécution parfaite. Je suis obligé de matraquer la touche start. Voilà, pour pas se taper les temps de chargement. Deuxième course. Toujours le petit saut en début de course, histoire de gagner un petit peu de temps. Je sais pas si je fais bien de sauter ou si ça me ralentit. J'en sais vraiment rien, ça. Ouh là là. Putain, dommage que j'ai sauté un petit peu. Ça va, ça m'a pas fait tomber, donc tant mieux. Le fait de me taper la paroi. Allez, franchement, ce record, il est vraiment à ma portée, quoi. Enfin, pas le record du monde, mais au moins la troisième place mondiale, ça serait cool. Vraiment. Je vais passer là, histoire de garder un maximum ma vitesse. Là, tout à l'heure, j'ai pris le virage vraiment large. Et j'ai vu que je gardais de la vitesse. Ah là là, là, là je l'ai mal pris. Là, je l'ai mal pris. Je suis redescendu en dessous des 100 km/h. Il y a vraiment une trajectoire précise à prendre pour maintenir sa vitesse. Je t'ai fait un saut là, mon pauvre. Allez, je vais me concentrer un maximum parce que c'est pas évident non plus de commenter en même temps. Là, à chaque fois je me tape la paroi. Ok. Je suis à 7 secondes pile poil d'avance. Alors que franchement, je trouve que j'ai pas fait une super course quoi. Sur celle d'après, je peux vraiment gagner du temps. Faut juste que j'évite tous les sapins. Ah merde, bah non, mais c'est moi alors. C'est moi qui ai une queue de merde. Le problème, c'est que je peux pas toucher le portable. Vu que je suis en plein speedrun. Ah, ça c'est relou par contre, ouais. Attends, je vais essayer de rétablir la co en même temps que je fais le speedrun. C'est vraiment pas évident. Je sais pas pourquoi ça fait ça. J'espère que c'est revenu de votre côté, j'en sais rien, j'ai pas de retour, donc je peux pas savoir. Ouah, j'ai vraiment bien pris le virage là. Je suis désolé si la co est merdique, je peux pas faire grand chose. Là en plus je suis méga concentré. Oh là là. Bon ça va, j'ai pas trop perdu de temps. C'était quand même chaud. Ouah, j'ai fait une course quasi parfaite. C'est un gold.
Et j'ai 14 secondes d'avance, mesdames et messieurs. Ouh là là. C'est bon signe. Bon, j'espère que ma co va revenir. Je suis désolé s'il n'y a plus de co. Je suis vraiment désolé. Je ne maîtrise pas ma connexion internet. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Oh. Ça, c'était catastrophique, par contre. Y a pas à chier, de toute façon. Dès que je me concentre et que j'arrête de parler, je joue beaucoup mieux. Non, en tout cas, c'est pas de ton côté, hein, Elixir, si la connexion est merdique, c'est vraiment de mon côté. Je sais même pas si je suis encore connecté. Je ne sais pas. Je sais pas où j'en suis. À 14 secondes d'avance, Guillaume est virtuellement maillot jaune. Pas évident de lire le chat et de faire du speedrun en même temps. Et surtout que je suis potentiellement 3ème mondial là. Ah, pour l'instant, je le suis. Faut juste que je maintienne ce temps là jusqu'à la fin. Ok, pas mal le petit slide. Ça a dû me faire gagner un petit peu de temps, ça, en toute logique. Là, on est vraiment sur de la course de vitesse, les gars. Ça, c'est du speedrun. J'ai encore quelques petits passages à améliorer. J'ai l'impression que dès que je saute, ça me fait ralentir quand même. Faudrait qu'on puisse avoir un fantôme, tu sais, de la course précédente qu'on a fait, en transparent, là, qui soit en même temps que nous. Comme ça, je pourrais voir si je suis en avance ou pas. Bon, là, je suis vraiment en avance. Là, pour le coup, 15 secondes d'avance. Si je maintiens ça jusqu'à la fin, on est bon. On est 3ème mondial. Est-ce que la connexion est revenue? Impeccable. J'ai vraiment bien joué là. Le gars, tu sais, il se sent plus pissé. Il se jette des fleurs tout seul. Putain, j'ai vraiment bien joué là. Ah, je suis vraiment un boss. Prétentieux le gars. Non, c'est pas ça. C'est que je m'en rends compte quand je fais de la merde. Et je m'en rends compte quand c'est bien. Allez, là tout à l'heure, c'est là que ça m'a posé problème. Toujours ce petit couloir avec le saut à l'entrée du couloir. Essayez de bien le prendre sur le côté. Je suis bon. C'est bon signe déjà, je me suis pas planté. Toujours la 3ème run de la journée, c'est la meilleure. Je vais pas me taper de sapin. Bon bah là j'ai fait la meilleure course possible. Je crois qu'on est bon. On va le faire ce record. 16,6 secondes d'avance. On est bon. Ça lag chez moi, je suis en 3G. J'ai dépassé mon forfait. Ah merde. D'accord, ah bah c'est peut-être chez toi alors. Ça vient pas forcément de moi le problème. Bon en tout cas on est à 16 secondes d'avance.
Si je maintiens ça jusqu'à la fin, on est bon. On aura fait le record. Et je serai troisième mondial. Allez, je vais jusqu'à la ligne d'arrivée là. Hop. J'aurais pas dû faire le saut en fait. Sais pas comment vraiment gagner du temps sur ces petits sauts à la con. Alors attends, là faut que je me concentre. Merde! Putain, j'ai complètement raté. Bon, j'ai perdu une seconde sur le fait d'avoir mis start deux fois. Pour choisir le menu et me retirer de la course. C'est pas très grave. Allez, là on va rien faire du tout. On fait pas de saut. On va direct en bas. Et là je devrais gagner du temps. Parce que tout à l'heure j'ai pas fait ça. Alors c'est tout à fait autorisé. Chez moi ça va. Ok. Alors septième course, on se retire. On la fait pas, évidemment. Ok. Bon, j'ai encore perdu du temps. Mais on est toujours à 13 secondes 8 d'avance. Je suis en 160p. Ah ouais, merde. Avec la mauvaise co, surtout si t'es en hors forfait, fais gaffe quand même. Ok. Allez, on est premier. Impeccable. Et B. Allez, c'est la dernière course où il faut que j'assure. Et normalement, la troisième place mondiale est à nous. Ah, j'aurais pas dû sauter là. Attention au sapin. Ok, c'est bon, je me suis pas tapé le sapin cette fois. J'ai pas fait la même connerie deux fois d'affilée. Trois fois d'affilée plutôt. Là, on va prendre la trajectoire ici, sans tomber. C'est cool, c'est passé. Là, j'ai peut-être un petit peu trop ralenti, mais c'est pas grave. Concentrer un maximum les gars, parce que là la victoire elle est proche, je vous le dis tout de suite. Va pas faire de conneries sur la fin de la course mon garçon. Ok, c'est passé, j'ai cru que ça passerait pas. Moi qui attends les 300 kilos de points de chaîne. C'est quoi, pour que je sois à poil, c'est ça? Je sais plus ce que j'ai mis. Merde. Ouh là 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 là. Oh là là, le dernier virage, on sent que là je me chie un peu dessus, mais c'est pas grave. Et on a fait un gold, on est toujours à 15 secondes d'avance. Bon bah c'est bon, la troisième place mondiale est à moi. Ah, ça fait plaisir. Je sais d'ores et déjà que j'ai gagné en fait. C'est cool. C'est cool puisque la dernière course, on ne la fait pas. Donc forcément.
Ok. Allez, je m'attaque la touche start, je me retire de la course et j'arrête le chrono. Et on sera troisième mondial normalement sur la catégorie Any%. Attention. Terminé. Oh oui. 18 minutes 29. Ouh. Let's go. Oh, j'ai dépassé mon record de... J'ai amélioré mon record de 15 secondes. Puisque j'étais à 18,44. Ah, oh, ça y est. Ça y est. Ça fait plaisir, les gars. Bon, bah voilà. Troisième mondial. On pourra, bien sûr, peut-être faire mieux. Hein. Ces temps-ci, on verra bien. Plus tard, peut-être. Je sais pas. Mais en tout cas, 18,29, c'est vraiment une belle performance. Je pense que la prochaine fois, on fera en 100%. C'est-à-dire que je passerai toutes les lignes d'arrivée et j'aurai pas à me retirer des courses. Mais voilà, c'est fait. Je vais essayer de soumettre la run sur speedrun.com et on verra si je suis validé ou pas. Mais normalement, oui. Hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. On est deuxième. On n'est même pas premier au classement général. Bizarre. Est-ce que ça marche quand même? Oui, ça marche quand même. Je vais juste sauvegarder mes splits. Alors comment on fait? Save split as Coup Borders 2 18-29. Attends. Voilà. On va mettre celui-là. 18. Ah merde. Ah je peux pas. Je peux pas écrire. Merde. Oh, non, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je peux pas effacer. Supprimer. 18, 20, 9. Espace, peut-être. Ah, ça marche pas. Comment je fais le plus? Plus, ok, bon. On voit rien. Ouais, désolé, j'étais après sauvegarder mon chrono, mais du coup, c'est super bizarre. Je pouvais pas écrire comme je voulais. Bon, en tout cas, il est là. Ah, je peux pas mettre d'espace, c'est trop bizarre. Bon, c'est pas grave. Allez, il est sauvegardé. En toute logique, c'est sauvegardé. Eh bah écoutez, je vais quitter tout ça. Bim. Et puis bah normalement c'est fait, hein, on a le record. Génial. Voilà. Bon, en tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, je pense qu'il y aura un replay sur YouTube. Merci beaucoup. N'hésitez pas, le petit pouce, le commentaire, le machin, tout ce qui va avec. Et puis bah on se retrouve une prochaine fois. Pour un nouveau speedrun et on sera peut-être en catégorie 100% cette fois-ci pour faire deuxième mondial puisque c'est tout à fait à ma portée également. Voilà, la deuxième place mondiale est à ma portée en 100%, mais par contre là en any%, je peux faire que troisième au maximum, je pense. Bon, et eh ben merci, merci à Elixir en tout cas. Voilà, tu l'auras vu en direct, c'est super, je suis bien content. Il y avait au moins une personne qui l'aura vu. Et sinon, bah, je vous dis à bientôt pour un nouveau speedrun. Et puis, bah, prenez soin de vous. Allez, ciao tout le monde. Bye bye.